Shavuot. Berukhim tiyu rabotai, nous sommes aujourd'hui le 4 dans le mois d'Av. Et comme vous le savez très bien, le travail en ce moment, si ça fait presque 2000 ans que le temple n'a pas été construit, c'est l'amour gratuit qui va réparer la haine gratuite. Bon, c'est marqué dans la Torah comment en hébreu. Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Rabbi Nachman Ibreslev, il nous apprend quelque chose de formidable. C'est dans la Torah 165. Ve'ahavta l'ereacha. Comment c'est marqué ton prochain? Re'acha. Il y a le mot ra dedans. Mauvais. Et re'acha, c'est ce qui est mauvais dans toi. De là, il amène Rabbi Nachman, si je me rappelle à peu près de ces mots. Haïnu, kol ha'isurim shetekabel alecha, tekablam be'ahava. Toutes les épreuves, toute cette période qui est dure. Oui, on ne mange pas ça, on n'écoute pas la musique, ou peu importe. Si on apprend, voilà le message royal, hein, Shkatisha Be'av, de ne pas se plaindre, de accepter ces choses pour nous, c'est ça la vraie mitzvah de Avta le re'acha kamocha. Aime le mal que tu le reçois sur toi, parce qu'on le mérite. Comment on sait qu'on le mérite? Eh bien, ce soir et demain, c'est la Hiloula du Harizal. Et le Harizal, il nous apprend qu'il y a des fois des petites fautes qu'on fait, qu'il faut faire pas de taniot. 84 jeunes pour pardonner une faute. Qui c'est qui est capable de le faire? Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous échange des épreuves. Dans les épreuves, il se cache un très très beau cadeau pour nous. Vous allez me dire d'où je tire ça. Tout le monde connaît la Gemara. Nida, page 31. Il y en a un qui a raté le bateau. Il a eu un pic dans le pied. Il a pleuré. C'était l'affaire de sa vie. Il a pleuré pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'il a découvert que son copain, hein, qui devait prendre toute l'affaire à la place de lui, a coulé avec le bateau. Alors pour terminer en beauté et vraiment accepter tout ce qu'on va traverser en ce moment-là, chacun avec ses épreuves. Il y a des épreuves collectives, comme on a parlé, la viande, la musique, machin, on ne le fait pas. Mais il y a même des épreuves à la maison. Des fois, il y a des tensions. Il y a une histoire qui raconte le Rav Nissim Yagen, Zichronon Livracha. Apparemment, c'est une vraie histoire. Il y avait quelqu'un qui l'a écouté un cours. Le rabbin, il a dit, celui-là qui a une mauvaise femme, Isharaa Enoroep Negenom. C'est Gemara et Rouvin, page 41. Celui-là qui a une très mauvaise femme, c'est paradis direct, il ne souffre jamais. Il a décidé, il n'était pas marié. Il est parti voir le chatran, celui-là qui fait le mariage. Il a dit, je veux que tu trouves la femme la plus méchante qui existe. Combien tu prends? 1 000 $? Tiens, 10 000. Bon, c'était facile à trouver. Hein. Il a trouvé une qui était divorcée. 7 fois, méchante, maudite. Et voilà, ils font le rencontre. Tellement elle était mauvaise, elle ne voulait même pas parler. Hein. Elle a écrit, combien de fois tu étais marié? Elle a écrit comme ça, 7. Il a dit, allez, Mazal Tov. Il a mis dans la ketouba 2 millions de dollars. Comme ça, il sait qu'il ne va pas divorcer et qu'il va avoir le paradis en haut. Et voilà, après le mariage, la femme a dit, qu'est-ce que tu as choisi moi? Tu sais mon passé et tout. Il a dit, justement, je sais. Mais grâce à toi, je vais avoir, si Dieu veut, le paradis. Dès qu'elle a écouté ça, la femme, elle a dit, même pas en rêve, grâce à moi, tu vas avoir le paradis. Tu vas voir que je vais devenir la meilleure femme juste pour que tu ne vas pas avoir le paradis. Qu'est-ce qu'on apprend de là, chers amis? Chacun, tout ce qu'on doit traverser, souffrir et le mal qu'on doit traverser, c'est pour nous réparer. Mais dès qu'on ne mérite plus de souffrir, on ne mérite plus de mal, c'est terminé. Alors venez, on vit ce message de Rabbi Nachman Ibreslev. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aime ton mal à toi, car on le mérite. Chacun de nous est méritant selon notre passé, selon ce qu'on a fait. Mais peu importe ce mal-là, il y a toujours un bien qui se cache derrière, jusqu'à qui se termine, et ça devient que du bien. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.